Bonjour et bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer une application donc sur l'App Store donc qui permet de faire des vidéos en slow motion sans iPhone 5S parce que l'on sait que il n'y a que l'iPhone 5S qui permet de faire des vidéos donc en ralenti. Donc moi je vais vous montrer donc l'application Slow Pro. Donc c'est une application qui est gratuite donc sur l'App Store mais avec des achats intégrés qui permettent beaucoup de choses supplémentaire au prix de 3,99€. Donc moi c'est cette version là donc que j'ai prise pour vous faire la vidéo. Donc quand vous arrivez donc sur l'application, vous arrivez sur l'interface donc vidéo. Après vous pouvez également importer donc des vidéos depuis votre pellicule. Donc je vais prendre par exemple cette vidéo que j'ai importée donc de ma pellicule. Donc, comment modifier une vidéo déjà dans votre pellicule? Alors, tout simplement, il suffit donc de cliquer. Donc, je reprends donc là. Vous importez votre vidéo en appuyant sur la flèche du bas. Ensuite, sur Camera Wall. Et ensuite, vous cliquez sur la vidéo que la petite miniature que vous voulez. Et Slow Pro va importer votre vidéo. Donc, une fois votre vidéo importer, vous cliquez donc sur la petite miniature, ensuite sur Edit, et ensuite vous cliquez sur Slow. Et ensuite vous pouvez voir donc la vitesse, par exemple, vous pouvez régler donc la lenteur de la vidéo. Donc je vais vous faire un exemple. Donc là vous pouvez voir avec un slow à 50% donc la lenteur donc de la vidéo. Ensuite, si par exemple vous mettez à Fastest 4, donc là ça va être une vitesse augmentée de 4 fois supérieure à la normale. Donc voilà, donc vous pouvez voir la différence. Ou alors, après vous pouvez faire avec des super ralentis à 500 ou 1000 images par seconde. Par exemple, je vais prendre à 500, donc vous allez voir tout de suite comment c'est lent. Donc une fois que vous avez sélectionné donc le mode que vous désirez, donc moi je vais prendre par exemple slower à 40%. Donc vous pouvez donc définir donc par exemple le début du slow motion de votre vidéo. Donc tout simplement donc vous arrêtez la vidéo et vous cliquez sur speed in. Voilà, donc votre vidéo en slow motion démarrera à partir de ce moment-là. Ensuite, vous pouvez continuer donc la vidéo en slow, et ensuite quand vous désirez arrêter, donc vous cliquez donc sur pause et vous cliquez sur speed out, et ensuite vous verrez que votre vidéo reprend son cours normal. Et si vous voulez toujours continuer à refaire encore des vidéos en slow motion, vous faites la même action, donc speed in et pour finir speed out. Donc à la fin de la vidéo, je vous montrerai donc mes vidéos que j'ai fait en slow motion grâce à l'application. Donc permettra de voir un aperçu donc des applications, des vidéos que j'ai fait en slow motion, et puis de voir la qualité vidéo en même temps. Donc une fois que vous avez fini, donc vous cliquez donc sur le petit V en haut, et vous pouvez donc lire votre vidéo que vous avez travaillé à l'instant. Donc voilà, donc vous pouvez voir la différence. Donc et si par exemple donc vous pouvez donc enregistrer donc votre vidéo donc dans la pellicule, donc la partager sur Facebook, YouTube, la mettre sur iTunes, Vidi ou l'envoyer par mail. J'espère que cette petite vidéo va vous plaire, et donc je vous mettrai tous les liens donc pour télécharger l'application dans la description de la vidéo. Donc si vous avez aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas à la partager, à commenter et à mettre un petit pouce vert. Et moi je vous dis à bientôt, salut !
Mmh.